Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, place au Red Pack, le nouveau DLC pour Assetto Corsa, dédié aux voitures italiennes. En plus de la sortie de la version 1.7, Oui Bolide et un nouveau circuit font leur entrée dans le jeu de Kuno Simulazioni. Bienvenue donc dans cette première vidéo, nous allons passer en revue 4 des 8 voitures parce qu'en fait, il n'y en a pas 7, mais il y en a une 8ème qui est cachée dans le lot. Vous pouvez retrouver dans la description le lien Steam pour télécharger ce pack. Il vous en coûtera 9,99€ et croyez-moi, ça vaut le coup. On va passer en revue chacun des bolides ensemble. On commence tout de suite. On a essayé de répartir les voitures avec chaque fois un peu de variation dans les présentations. Comme d'habitude, le premier tour est en live et le deuxième, je vous laisse profiter des caractéristiques sonores des voitures. Sachez que cette découverte est faite au T300 RS et surtout sans aucune assistance. Allez les amis, enjoy! Allez, c'est parti, on est à Monza en version 66 avec oh ce bruit. La Maserati 250F, la version 6 cylindres, la plus petite des deux. Alors on est dans la ligne droite descendante, ça se passe bien. Alors voiture très très sensible de la direction. On sent qu'on est eh bien, en plein milieu des années 50. Allez, on va prendre le premier droit, on va passer en 3. Allez, ça commence à glisser. Effectivement, alors c'est très spécifique. Alors, oui, c'est pas mal. Alors sachez qu'il n'y a aucune assistance à la stabilité évidemment pour profiter un maximum des glissades de cette voiture. On va pouvoir continuer ici. Petit coup de frein pour essayer de la placer. Et ça glisse. On va tomber ici en 2 je pense. Oui, ça devrait passer. Oh, quoique ça glisse beaucoup. Je crois pas qu'on ait touché. Et il faut encore corriger. Alors c'est très proche du comportement qu'on avait dans le jeu avec la Lotus 49. Allez, ça passe. Petit manque de puissance sur cette voiture. On va voir jusqu'où on peut aller en vitesse de pointe ici. On va passer sous le tunnel de l'ancienne piste. Alors, qu'est-ce que vaut cette 250F? Donc, la version 6 cylindres est la plus petite. 670 kg. Ce qui explique que ça glisse beaucoup. Pour une puissance de 270 chevaux. Donc, de quoi déjà s'amuser. Mais ici, à Monza, vous l'entendez. On est très vite au rupteur, donc j'aurais peut-être dû tester la plus puissante. Allez, on va freiner pour la parabolique. Ça freine bien, en tout cas. Mais il y a toujours ce côté flottement. En tout cas, ça me semble assez correct comme comportement. Allez, on va essayer de glisser en sortie ici, mais elle est difficile à lancer. En tout cas, ça vaut le coup. Presque dans l'herbe. En tout cas, très très fun cette première voiture. C'est plutôt pas mal, c'est un bon début pour ce Red Pack. Allez, on va, grâce à la magie du montage, vous faire profiter d'un tour supplémentaire. Thank you.
en sort des box. Avec la deuxième voiture de ce Red Pack, on change complètement de registre et d'époque avec... Ouais, ça glisse, attention. On va y aller tout doucement en sortant des box. La 488 GT3 qui a fait son apparition cette année, notamment en blanc pin series. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça glisse beaucoup du train avant. Jusque là, dans les virages lents, pas beaucoup de grippe, évidemment. Allez, on va essayer de voir réaccélérer ici dans la ligne droite. Jusqu'à le field pour voir ce que ça vaut. On sort bien. Ouais, la voiture qui navigue un petit peu. Alors, comparé à la 458, c'est tout à fait correct. Allez, on monte sur les freins en troisième. On va devoir retomber en deux pour le droit. Au niveau de la fiche technique de cette voiture, 1270 kg pour 500 chevaux. Ça, vous avez une petite idée. Moteur 3,9 litres V8, évidemment. Ce qui est devenu la base depuis l'abandon des V12 chez Ferrari. À mon plus grand regret et à celui de mes oreilles. Allez, on va essayer de prendre Cops. On va tomber en 4, je pense, oui. Pour Cops, parce que sinon, ça va être compliqué. En tout cas, une voiture qui se place bien malgré son moteur arrière et un empattement plus long que sa grande sœur, la 458. On a quelque chose de très, très fin. On va voir ici dans les enchaînements. Magots, Beckett's. Ouais, faut corriger, faut travailler un petit peu du volant. Voilà, ça glisse. Allez, on va relancer maintenant. Et elle s'en sort bien. Très, très, très agréable en tout cas. Une GT3 qui promet d'animer les courses en ligne. Moi, je l'apprécie beaucoup de base. Je suis pas fan du tout du volant par contre. Hein, cette manie de nous mettre des volants de monoplace dans les GT. Ça a commencé avec les Mercedes SLS et ça ne s'est plus arrêté depuis avec les McLaren. Donc vraiment, très très bonne GT3, j'ai hâte de voir ce que certains vont faire à son volant. J'étais large sur les freins là. Très 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 large, en tout cas, une très très bonne GT proposée dans ce Red Pack. Ça fait plaisir en tout cas. Allez, on quitte les box. Ici à Imola. Alors, on va pouvoir comparer avec la deuxième GT de ce Red Pack. Alors, vous avez une GT3 juste avant, à Silverstone. Ici, on est à Imola, évidemment. Et vous avez une GT4. Oh, ça bloque déjà les freins. On prend le S de Tamburello. Ça glisse même beaucoup, mais ça se corrige. Allez, on va même essayer de la lancer. Non.
On est quand même rattrapé par la stabilité de la voiture. Plutôt agréable. On va voir si on peut freiner ici. Peut-être en 2. On va laisser en 3. Ça passe bien, on perd pas trop de temps. Beaucoup de couple dans le moteur. Ce qui est normal. 430 chevaux. ...1410 kg sur la balance, la montée vers Rivazza. Très 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 bonne voiture. Je pense que je vous ferai un onboard avec cette GT4. J'aime beaucoup. Alors Piratella et pas Rivazza, Maxime, bravo. La descente vers Acqua Minerale ici, très important. C'est un bon test Acqua Minerale pour voir comment une voiture se comporte. On va rester en 4, on va tomber en 2. Ça va, pas trop de du hurlement. Elle apprécie, elle aime bien manger les vibreurs. On va vérifier une dernière fois sur la Variante Alta si ça se confirme. Mais vraiment, très très bonne GT4. Je crois que c'est une des premières qu'on a dans la Seto de base. Et ici à la sortie, non. Et même sur l'Astroturf, ça tient bien. Franchement, bonne surprise cette GT4. Si vous êtes pilote débutant et que vous aimez vous mettre au GT, et que vous ne voulez pas passer par le GT2 ou le GT3 ou le GTE, et bien cette petite GT4 qui là m'a fait très peur sur les freins. Est plutôt douée. Elle fait bien le café. Non, franchement, c'est pas mal. Ah, ici, la dernière relance en 3 sur le vibreur. Non, non. Très, très bonne cette voiture pour l'instant. Un vrai plaisir pour les yeux. Et vous allez le constater aussi pour les oreilles. Et le départ dans la descente. Allez, on balance tout. Dernière voiture de cette première partie de la découverte du Red Pack d'Assetto Corsa. On file vers le Rédillon avec la Ferrari F138. Avec Felipe Massa, évidemment. Je n'ai pas pu faire autrement. Particularité de ces voitures, le Kerr, c'est le DRS. On va l'activer tout de suite. Pas vraiment de différence dans le comportement pour moi. Allez, on va toucher les freins. Au con, on va prendre un peu de marge. Oh, ça freine très très bien. Et oui, évidemment, énormément d'appui aérodynamique sur ces voitures. Alors on est encore dans les bonnes configurations de l'époque, évidemment, au niveau du moteur. Les moteurs V8 qui font encore du bruit. D'ailleurs, vous découvrirez dans la deuxième partie de cette découverte la Ferrari SF 2015. Oh, c'était très chaud ça. Ouh, avant le speaker's corner. Elle est joueuse, la petite, évidemment. Beaucoup de couple avec son moteur V8. Le Pouhon, on tombe à rapport tout de même. On va chercher le vibreur, c'était pas la meilleure idée. 760 chevaux, je pense, ou un peu plus, peut-être 780. 642 kg.
Avec le pilote inclus, c'est ce que voulait la réglementation à l'époque. Je crois que ça a peut-être bougé un petit peu avec les nouveaux moteurs, surtout. Ça a peut-être baissé. On se rappelle à l'époque des pilotes qui devaient perdre du poids pour être avec des voitures plus légères. Avec donc Leclerc et le DRS qui sont donc applicables. J'ai deux petits boutons. Avec à droite Leclerc que je pousse. Les LED fonctionnent sur le volant. Je vous ferai montrer ça à la magie du montage. Allez, Blanchimon, est-ce qu'on peut le prendre pied à fond? Oui, ça passe même sans problème. Beaucoup de capacité aéro pour cette voiture. Allez, le freinage du bus stop. On va rester en deux pour pas remettre trop de puissance et partir en tête à queue. Attention là, au gendarme couché. Allez, on ouvre et le DRS. Alors le DRS est évidemment uniquement applicable dans la version des circuits qui le composent, c'est-à-dire notamment Spa, etc. Donc vous ne pouvez pas l'ouvrir n'importe où, c'est uniquement dans les zones dédiées. Allez, à descendre vers le Redillon maintenant, on va essayer de prendre pied à fond jusqu'en haut du Kemmel. Pour voir ce que ça donne avec cette F-138. Ah, ça ne bouge pas, c'est vraiment, vraiment impeccable. Alors, on attendait depuis longtemps, hein, les Formule 1. Allez, fermeture du DRS. On le sent légèrement au train arrière qui reprend de l'adhérence. Par contre, c'est vrai que là, même sans assistance, la voiture tient très, très bien le parquet. Vraiment absolument formidable. Et encore, Spa n'est pas la piste la plus plate dans Assetto. Et là, on ressent vraiment toutes les aspérités de la route, mais on passe très très vite. Là, c'est très très fort. On sait à un autre niveau que la Lotus Exo 128. Ça va aider peut-être certains modeurs à nous proposer autre chose. En tout cas, moi, je vais vous laisser profiter du son et même d'un tour supplémentaire avec cette Ferrari pour que vous vous rendiez compte de la différence entre ce moteur V8 et, je pense, le V6 hybride auquel on aura droit dans la deuxième partie de cette découverte. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la première partie de cette vidéo dédiée au Red Pack d'Assetto Corsa, disponible dans la description et donc sur Steam pour 9,99€. On se retrouve demain pour la deuxième partie et les 4 autres voitures. D'ici là, n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires et bon amusement en piste. Salut !